littéralement incroyable. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Aujourd'hui, nous sommes sur le golfe de Loday. J'ai déjà fait une vidéo dessus il y a quelques mois, j'avais envie de le refaire. Objectif scratch, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Qu'est-ce que vous allez voir? Des belles choses et des moins belles. Je vous assure, on est départ du 18 et vous comprendrez pourquoi je dis ça quand vous arriverez au 17. Bref, dans cette vidéo, je vous annonce aussi qui a gagné son green fee au golfe de Plumeur par rapport au concours que j'ai fait il y a une quinzaine de jours. Et il y a une petite surprise, bien évidemment, dans cette vidéo aussi parce que je vous fais encore gagner quelque chose. Allez, on se retrouve départ du 1. À de suite. De toute façon, je la mets jamais là-bas. Avec le vent, merci. Allez-y, allez-y. C'est gentil. Et bah écoute, du coup je me permets d'annoncer, il y a 185 mètres parce que je l'ai dit à la caméra. Bon, c'est pas un mauvais shot, sorti du rough. On aura un petit chip. C'est hyper gentil de ta part, vraiment. Et bah elle sortira dans 15 jours, tu vois. Merci, salut. Ok, on est en train d'avancer sur le fairway du 1. J'ai pas du tout présenté le trou, c'est un par 5 qui fait 440 mètres à peu près. De toute façon, ça s'affichera. Je vous ai pas mis derrière moi en fait, c'est juste que voilà, j'ose pas trop parler quand il y a énormément de monde. Et en l'occurrence, le restaurant, le bar-resto est juste derrière. Bon, la terrasse du bar-resto est juste derrière, il y avait un petit peu de monde. Donc j'ose jamais trop parler, c'est rigolo, mais bon, c'est comme ça. Donc bon premier drive, bloqué un peu à droite avec un... Il y a beaucoup de vent, on dirait pas, et on verra parce que je suis en train de tester une nouvelle caméra et j'en parlerai après, mais il y a quand même pas mal de vent. Je me retrouve dans le rough, donc 185 mètres au green, il y a quasiment 200 à jouer avec le vent. J'ai mis faire 5, j'ai jamais osé mettre bois 3 dans le rough. Et au final, je peux pas dire qu'on a bien fait, mais on est très très bien. On s'est repositionné sur le fairway avec un petit chip école. Ok, je suis allé poser le téléphone sur le green pour qu'on ait un visu sympa. On va s'amuser à pas replacer parce que le fairway est parfait. Il y a une petite vingtaine de mètres pour le green. Enfin, pour le drapeau en tout cas. Donc, 1,58 degrés. Un très bon shot. Un peu à droite. On va se laisser 2 mètres pour birdie. Waouh, waouh. Ça me fait clairement surprendre sur la roule, ça roule très très bien. Et je l'appuie un peu le premier putt. Allez, trou numéro 2, par 5, handicap 8 de 471 mètres. Je pense que dans mon premier objectif scratch, ce trou là c'était déjà pas mon putt. J'ai tee comme si j'allais mettre drive alors que je vais mettre un bois. En fait, pile poil face à moi, c'est du hors limite. Donc il faut faire vraiment un baby fade. Après il y a un autre fairway à droite mais... C'est pas hyper bien. En bref, le trou qui est face à moi en léger fade, c'est l'idéal. Allez. Elle est pas bien touchée, mais c'est un trait, donc elle est parfaite. Mais avec... On est effectivement au milieu fairway. Après, j'ai pris la mesure aux dames, aux nanas qui sont là-bas. Il y a 240 mètres. Autant vous dire que j'y vais jamais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lay-up, je vais le faire au fair 8, histoire de dire que je fais un 150-160 mètres et qu'il me reste ouais, 80-90 mètres, quoi, un petit coup de wedge. Elle est un tout petit peu grattée, honnêtement.
Je viens de penser à un truc, mais j'ai pas été hyper malin en fait, parce que j'avais pris 242 aux personnes qui sont devant moi, mais elles étaient pas sur le green, elles étaient une trentaine de mètres, 30-40 mètres devant le green. Donc au final, le green était plus à 2,70. En plus de ça, je fais mini grade, mais bon. Donc ça fait qu'on a 125 mètres au drapeau. 125 mètres. Il faut jouer quasiment la distance, donc ça va être petit pitch. Sois la canne. Tombe. Et si jamais c'était le moment de jouer négatif sur ce putain de parcours? À savoir que c'est mon parcours préféré, vraiment. Je sais pas pourquoi, j'adore ce parcours. Et j'ai jamais réussi à jouer négatif sur ce parcours. Du moins, sur 9 trous, oui, sur 18, jamais. Mon record sur ce parcours en compétition, c'est 75, donc plus 3. C'est un par 72. Et en partie amicale, comme ça, c'est plus 1. Donc voilà, incapable de réussir à jouer négatif. Vous voyez, mieux que ça, malheureusement, alors elle est pas si mal, hein. Et je la voyais mot pour mot à hauteur et genre à 3-4 mètres du trou. Du coup, on a 7 mètres pour birdie. Elle est bien putée, hein. Pour le moment, j'ai juste pas du tout la vitesse. En douceur. On va être fatigué au bout de 18 trous si on doit rentrer des potes de 3 mètres pour sauver les parts. Allez, trou 3 par 3, 160 mètres. 163 aujourd'hui, ça monte un peu. 169 et il y a du vent contre. 170 que je vais jouer. Donc là, c'est faire 7 et t'envoies la sauce quoi. Ok, bon, on est à hauteur. 30 mètres à droite, mais à hauteur. Donc c'était bien la canne. Allez, je vais la faire au 54 degrés. Le type n'est pas inné parce que je suis dans le rough et j'ai le light contre. J'ai pris un 54. Approche de putt. Hein. Si je fais par, c'est vraiment un très bon résultat. Ah, c'est bien fait, elle continue de rouler quoi. C'est réellement bien fait, dommage. Allez, du coup, on a 3 mètres pour sauver le par. Elle sort de sa ligne à la fin, je vous assure. Elle peut pas revenir de gauche à droite sur la fin. Oh, allez, un par 4 pas très long. 283 mètres ici. Là, 294. Bon, il n'y a pas 11 mètres entre les deux. Bon, il y a plus ou moins 290 mètres. Il y a un étang, un obstacle d'eau à passer en plein milieu. Il y a 200 mètres à faire en carry pour le passer. Pour moi, ce sera pas un souci. Sauf si je fais vraiment une grosse bêtise. Allez, driver. Hein. On sera pas sur le green, mais on peut se laisser une petite approche. Allez, un peu cool. Ça sera peut-être dans le bac. On verra bon, bien. Comme je vous le disais au début, les amis, j'ai eu une nouvelle caméra. En termes de qualité d'image, je suis pas sûr que ça change parce que là, je suis en train de filmer en 1080p, 50 fps. Un petit peu comme je le faisais sur mon téléphone, sur mon iPhone, parce que je filmais avec un iPhone. En fait, j'ai eu un partenariat avec Sony. Non, je déconne, ça m'a coûté 700 balles, fin de l'histoire. Donc, c'est un peu le vlog test. Qualité d'image, en soi, je pense que ça changera pas grand-chose. C'est plus du confort pour moi de pas utiliser mon téléphone, d'utiliser une caméra vraiment dédiée vlog avec plusieurs batteries, comme ça je peux filmer pendant 18 trous. Faut savoir que quand c'était avec mon téléphone, soit j'avais une batterie externe, soit je parlais pas, je coupais instant, et au final peut-être que vous préfériez ça. Là on est, j'ai même pas mis le micro Bluetooth, ils ont un micro intégré, donc c'est le moment de faire les tests quoi. En attendant, certes on n'est pas sur le green, mais on n'est pas dans le bac. Ouais bah écoute, je suis tombé là, ma balle est sortie, donc tout va bien. On va avoir encore une trentaine de mètres. J'allais vous dire que ça peut être l'occasion d'enlever le bogey de la carte. Mais le problème, c'est que on a un lie moquette. Donc je pense que, ouais, je pense que le wedge, il va un peu accrocher. Et encore en plus, on n'a pas du tout de green à travailler. On a un obstacle, enfin, quand je dis un obstacle, on a un bunker devant nous.
Bref, à la caméra on dirait peut-être pas, mais c'est pas un chipiné. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la face, la mettre assez haute et espérer. Il n'y a pas grand chose à faire. Ah, ça fait mal au cœur parce qu'elle est réellement bien faite, quoi. Oh. Je vous assure que vraiment un mètre de plus de roule et je peux pas dire je me m'étais donné, mais pas loin, quoi. Elle bloque au pire endroit. Allez, au lieu de se laisser une opportunité de birdie, on va essayer de sauver son par. Hein. Bon, c'est pas grave. 58 degrés, type caisse, le type donné. On a le pied dans, dans une borne d'arrosage, mais il me semble que la nouvelle règle, c'est baiser très curieux. Ouais, c'est pas mal. Ok. Bon. C'est un bon par bon. Tout de même. Les personnes sont encore sur le fairway là-bas. Et comme celui-là, je peux vous dire qu'on va essayer de le prendre en un. Et ben, je vais blablater. Parce que j'ai des choses importantes à vous dire. Premièrement, je vous remercie vraiment tous et toutes d'avoir joué le jeu il y a maintenant 15 jours, au moment où vous regardez cette vidéo, sur le Mulligan Challenge, où je sais que, j'allais dire 100%, allez, tu sais quoi, 99% des gens, même non, en réalité 100% des gens, vous avez tous joué le jeu de pas aller en fin de vidéo, de pas tricher, et ça, je vous en suis hyper reconnaissant. Le truc, c'est que personne a eu le chiffre exact, parce que j'avais utilisé 19 mulligans, et en l'occurrence, et là, je sors mon téléphone, le truc, c'est qu'on a des, quand je dis des égalités, il y a Henri Cassani qui a dit que j'allais utiliser 18 mulligans. Il y a Olivier W qui a aussi dit que j'allais utiliser 18 mulligans, pardon. Et enfin, on a Sylvain Barriot qui a dit que j'utilisais 20 mulligans. En l'occurrence, on a utilisé 19. Vous êtes tous à un prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage au sort. Et on va le faire en direct. Et c'est horrible pour deux d'entre vous, et c'est cool pour Henri, parce que c'est lui qui gagne son green fee, green fee à Plumeur. Puis désolé pour les autres, en tout cas je vous remercie d'avoir d'avoir participé vraiment, c'est hyper cool de votre part, d'avoir joué le jeu. Et pour vous remercier, comme j'ai vu que vous étiez honnête, j'ai une petite surprise pour vous, je vous en parlerai dans un ou deux trous. Bon, changement de... Oh, elle est dans ma main, mais quel... J'allais dire changement de balle parce que je retrouve pas ma Callaway que je joue depuis le début et au final elle est déjà dans ma main. Bref, par 4, je sais même pas combien fait le trou, ça s'affichera. Je sais juste qu'il est prenable en 1. Et qu'en général, quand j'arrive à le prendre en 1, c'est au bois. Donc bah aujourd'hui, bois 3. Par la gauche, très agressif. Tiger line. Elle est incroyable. Elle est littéralement incroyable. Elle est sur le green, je sais pas si ça se verra, mais le poteau qui est là, mon pote, il était en jeu. Bon, certes, elle est sur le green, mais avec un drapeau au fond, à gauche. Et ben, on a un putt. Bon, je mets le téléphone derrière parce que malheureusement... Ah non, j'allais dire le bogey est cassé, même pas. C'est juste le drapeau qui était mal remis. Et ben, il y a de la route, les gars, hein. Mon objectif, c'est se mettre à 2 mètres, ce sera bien, je vous assure. Ça roule, c'est un délire, vraiment. 1m50, 1m60 pour le birdie. J'ai mis une petite balle à gauche parce que je pense que ça va break. Let's go! Retour dans le par, bonne nouvelle. Le trou 6, c'est une belle petite bête. Parce qu'il fait 380 mètres, tout de même. Le fairway est relativement large, il y a obstacle d'eau à droite, donc il faut y faire attention. Mais c'est surtout l'attaque de green qui n'est pas hyper simple. Et que surtout, comme très souvent ici, on joue vent contre. Et aujourd'hui, il y a vent contre. Donc c'est driver. Et puis, ouais, objectif par. Ce serait vraiment un bon résultat. Elle est prise un peu dans la pointe, mais elle est dans les 135 mètres, donc très bien. Allez, les mesures sont prises, 129, jouer avec le slope 131. Le vent, il est contre, donc ça va être un coup 135, 137.
Donc pour moi, c'est faire 9. Elle est cut, ça. C'est pas un bon shot, je tourne pas. C'est dommage. Je suis même pas sûr d'être sur le green. Oh la vache. Bon, je vous ai posé dans le bac, évidemment, je ratisserai après. On voit pas la balle, quoi. Bon, ça va être un peu pareil qu'au trou numéro 4. Hein. 58 degrés. J'ouvre très fort la face. Et je prie. C'est bien. Je prends. Je prends réellement. Je vous cache pas que ça me casse un peu la tête de devoir se battre pour le par, sachant qu'on avait une attaque de green hyper simple, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, intérieur droite. Allez, bien pété. Dommage. Bon, un peu d'aigle et pas de l'ail. Le bogey que je prends au trou précédent, me laisse un goût amer dans la bouche. Sans tape, parce qu'on va faire birdie sur ce trou-là. Encore une fois, je sais pas combien il fait, ça s'affichera. Comptez pas sur moi pour vous présenter les trous, les potes. Vous voyez que je joue un peu en mode touriste. Bref, je sais juste qu'il y a des bacs devant moi. Que pour être dans les 135, c'est un coup d'hybride, et pour être dans les 100 mètres, c'est un coup de bois 3. J'exagère à dire ça, mais 110-120, c'est un coup de bois 3. J'ai bois 3, du coup. Un bon shot. Je m'enfermerai un petit peu à droite, mais c'est un bon shot. Tu vois, la mise en jeu en fade, c'est un peu ma mise en jeu sécure. J'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois et je me suis vraiment concentré là-dessus, pardon, depuis plusieurs semaines. Je jouais mes mises en jeu en fade. Mettre un draw en mise en jeu, je peux pas dire quand je suis obligé, c'est pas vrai, mais quand je veux faire un peu plus de distance, parce que je ferai plus de distance, et de façon générale tous les golfeurs feront un petit peu plus de distance en draw qu'en fade. Je crois que c'est dû au spin, mais là-dessus, j'ai pas envie de m'engager sur ce genre de sujet parce que je suis pas assez connaisseur là-dessus et j'ai pas envie de me faire tacler. Donc, de façon générale, en tout cas, une balle qui est en draw ira un petit peu plus loin qu'une balle qui est en fade. Et donc, au trou précédent, j'ai mis mon driver en draw parce que obstacle à droite, si je faisais un hook, je sais qu'il se passe, je peux pas dire pas grand chose à gauche parce qu'il y a quand même un hors limite, mais vous pouvez me permettre de mettre le draw dans le sens où s'il sortait pas, ça serait pas passé grand chose. Là, le danger il est à gauche, donc je joue mon fade en mise en jeu, tranquillou, assez haute. Même si on sera certainement dans le ref, on aura un tout petit shot pour l'attaque de green, du moins on aura 110-120 mètres comme je l'annonçais. Ok, je vais pas parler fort parce que en fait, là on est sur une zone où on se croise et je suis à une petite vingtaine de mètres du green du prochain trou. On est malheureusement dans le vrai. 129 mètres, drapeau. Il y a quand même pas mal de vent, il y a, je pense, un coup de 140 mètres à jouer. En soi, c'est mon plein coup de faire 9, mais si elle monte hyper haut au ciel, en fait, elle fera jamais les 140 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je préfère mettre un tout petit faire 8. Comme ça, je la tiens un peu plus basse. Et puis, elle rentre dans le trou direct. Tout au fond. Merde. Et bah, il va pas être drôle ce putt. Parce que on a un putt tout en descente. Puis bah voilà. Ça roule incroyable. Parce que je croyais que j'allais l'arrêter ici, là, juste dans la bosse. Ça roule vraiment incroyable. C'est un très bon par. Parce que c'est un très bon putt. Allez, toujours plus sain. Allez, j'ai 2 secondes pour vous présenter le prochain trou. Et surtout de vous parler de cette petite surprise. Trou numéro 8, c'est un par 3. Alors j'ai pris directement la mesure, il y a 151 mètres. Et là-bas, il y a écrit 161. Donc ça veut dire que le drapeau est certainement entré du green. Je vous le dirais que je vais mettre faire 8. Hein. Il y a de vent de... un peu de vent avec en fait. Peut-être mettre faire 9, on verra tout à l'heure. Je vous ai évoqué une petite surprise, je vous l'ai dit de suite. Alors cette fois-ci, ça se passera sur Instagram et non pas sur YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a de ça un mois et demi, peut-être plus maintenant. J'avais fait une petite promo, entre guillemets, pour une entreprise qui s'appelle Golf Care. Et en fait, il y a de ça quelques jours, ils m'ont proposé un petit partenariat. Et évidemment, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté parce que je suis vraiment pas à la recherche de partenaires. Je suis pas là à essayer de gratter quoi que ce soit, vraiment. Mais ça m'a fait énormément plaisir quand ils m'ont proposé d'être leur ambassadeur.
dans le sens où s'ils devaient avoir un ambassadeur, ils m'ont dit que ce serait moi, et ça c'est hyper touchant réellement. Donc j'ai évidemment accepté. Donc en quoi ça consiste? Moi je me cache de rien, parce que je me dois d'être honnête avec vous, et j'ai cette volonté de vous dire les choses sincèrement. Comment va se passer ce partenariat? Évidemment je vais avoir la chance d'avoir des balles qui vont m'envoyer. En plus de ça, il y a un petit code promo qui s'affiche de suite, qui vous octroie 10% de remise sur vos commandes. Let's Golf 10, 10% de remise sur vos prochaines commandes sur le site Golf Care. Ce sera en description, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et moi, je vous le dis, quand vous allez utiliser ce code-là, si vous achetez des balles sur Golf Care, ou trader une jeune société dynamique et qui a envie de se développer, c'est que moi aussi, réellement, je vais avoir des dividendes. Je cherche le mot, c'est plus ça. Bref, je vais gagner de la thune, quoi. Donc, acheter des millions et des millions de balles, que je puisse acheter une Lamborghini de mon côté, parce que bah, YouTube Money, tu connais. Non, je déconne bien évidemment, mais voilà, c'est le petit bonus. Let's Golf 10, vous avez 10% de remise si vous achetez vos balles sur Golf Care. Ça me ferait plaisir à moi, ça leur ferait plaisir. Et si vous voulez encourager des jeunes sociétés, n'hésitez pas, vraiment, je vous assure. Et en plus de ça, pour fêter ce partenariat-là, vous allez aller sur Instagram, vous allez aller liker la publication que j'aurai faite en allant suivre Golf Care, en allant évidemment me suivre. Vous taguerez deux de vos amis en commentaire. Si vous voulez doubler vos chances, vous pouvez mettre plusieurs commentaires en taguant deux nouveaux amis à chaque fois. Si vous voulez encore plus de probabilités de gagner, vous pouvez aussi publier ça en story sur Instagram. Bref, je vous fais gagner une douzaine de balles de votre choix. Donc, prenez des Pro V1 ou des TP5. Mais voilà, c'est le petit cadeau, c'est le petit remerciement de me suivre. C'est aussi un grand merci à Golf Care pour ce partenariat. Et puis voilà. Voilà la petite surprise. J'espère que ça vous fait réellement plaisir. J'aimerais vous faire tous gagner. Je ne peux pas, malheureusement. Si j'étais millionnaire, je le ferais. Mais je ne peux pas. Bref, c'est un autre sujet. On va mettre faire neuf. Je reviens un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure de Golf Care et du petit concours pour gagner une douzaine de balles sur Instagram. Je vais même pas faire la demande à Golf Care de si je peux faire ce concours ou pas. Évidemment, je leur dirai que je fais ça. Mais en fait, comme ils se lancent, ils peuvent pas s'amuser à donner des milliers et des milliers de balles. Donc moi, ça va me faire plaisir d'acheter la douzaine de votre choix. Comme ça, ça fera une petite vente auprès de Golf Care. Et en plus de ça, c'est moi qui vous récompense. Et je trouve que c'est plus réglo comme ça qu'autre chose, quoi. Donc ça tient toujours quand je vous disais, prenez des Pro V1. Hein. Profitez-en, les potes. Hein. Bon, bah faire neuf, parce qu'il y a un peu de vent avec. Et là, il faut que je la tape. Et il faut que je la touche bien. Et un peu short parce que je la gratte un peu. Bonne nouvelle, c'était la canne. Moins bonne, je l'ai grattée. Donc je pense pas être sur le green. Je pense être tout juste bord de green. Ce qui est sûr, c'est qu'on va la péter. Bon, c'est pas si pire parce que c'est un tout petit peu à gauche et c'est court de 5 mètres. Donc honnêtement, ça va. Parce que je l'ai réellement grattée. On va la péter tout droit, celle-ci. On va garder le flag. C'est nul. C'est nul. Je confirme, c'est nul. Oh la vache. 2 mètres pour part. Quel idiot! Je me déteste. Je me déteste. Allez, trou numéro 9. Par 4, handicap 4 de 360 mètres. Voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a que la mise en jeu qui est un peu tricky parce que, encore une fois, tout droit, c'est hors limite. Du moins, ça dépend de la distance que tu mets, mais si tu mets driver tout droit, t'es hors limite. Si tu mets driver baby fade, t'es parfait. Du coup, le trou devient de suite plus simple. Sauf que si tu la lâches trop à droite, t'as un obstacle d'eau. Donc là-dessus, moi, je préfère jouer assez court, tu vois. Là, en l'occurrence, je vais mettre un fer 5. Donc je vais la jouer vraiment très courte pour me laisser derrière, oui, certes, un fer 6, mais peut-être un fer 7. Mais au moins être sûr d'être en piste. Parfait. Non, il y a juste vent avec parce que j'ai mis fer 5 et je suis rentré de 5-7 mètres dans les 135 mètres. Donc, je ne fais jamais 225 mètres au fer 5. Et il y a tellement de vent avec là que le drapeau est tout au fond du green et il y a 152 mètres. J'ai peur que ça tombe 2 secondes. Ah ouais, ça souffle vénère. Allez, 152 mètres, j'ai pris pitch.
suis long et j'ai mis petit pitch, c'est hallucinant. Contact moyen, c'est pour ça que je m'arrête en trois quarts de swing. Je suis un tout petit peu à droite, je suis pas sur le green. Je touche pas beaucoup de green là, mais bon, c'est pas grave. Ou quand je les touche, je me mets relativement loin, surtout des drapeaux. Okay. On est un peu à droite et on est un peu long. Je suis laillé dans le trèfle. Je pense que je peux quand même la faire rouler avec un pitch, même si ça va accrocher un peu. Bonne décision, j'ai pris ma chance. Oula. Ok, mauvaise décision peut-être en fait. Elle a roulé derrière. Oh, solide sur les appuis. J'ai mis une patate là-dedans. La patate que j'ai mis là-dedans. Pourquoi il y a du soleil et il pleut en même temps? Bon, j'espère qu'on va pas être trop trempé. Que ce soit pour le matériel ou la qualité du vlog. L'aller en plus 2, c'est plutôt bien. On s'est battu un petit peu pour aller sauver quelque part. Un retour à plus 2, plus 3, ça m'ira aussi. On est sur l'handicap 1, 393 mètres, 1 par 4. Léger dogleg droit avec une attaque de green en aveugle. Tu sais, il y a des trous où faut laisser parler l'humilité, comme dirait Thomas Nuzzacci, et prendre ses boguets. Putain, mais là, il pleut bien, là. Bon, je veux pas abîmer le matériel, les potes, donc je vais zoomer. Et je vais laisser le téléphone, n'importe quoi, l'appareil à l'abri. Aller sortir en draw alors que je voulais mettre un fade. Il a arrêté de pleuvoir. La Bretagne. En attendant, on n'est pas si mal. Ok, on n'est pas dans les 135, mais on est juste à côté. En même temps, vu le contact que j'ai fait, c'est normal. Ok, on n'est pas sur le fairway, mais on est juste à côté. Et le drapeau est à 156 mètres. Donc 156 mètres, vent de droite à gauche. 156 mètres, ça veut dire que le vent est... Le vent. Ça veut dire que le drapeau est quand même fond du green. Donc je peux me permettre d'être court. Donc j'ai un fer 8 dans les mains. Oh, soit la 4. Ok, ça va péter, mais ça a kick à gauche, j'ai vu, donc on verra là-bas. Bon, il est pas du tout au fond, le drapeau est juste en plein milieu. Par contre, ma balle est fond du green. Le truc, c'est que je me mets pas en réelle opportunité de birdie depuis tout à l'heure, quoi. Vous avez vu comment il est grand, le drapeau? Je suis à 2,5 km de vous. Handicap 1, trop peu pour moi. Et là, d'un coup, il se passe quelque chose. Parce qu'on arrive au 11, on est à plus 1, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer, quand je dis mon meilleur score étant plus 1, on y est. Et tu vois, c'est rigolo parce que d'un coup, c'est plus... dans la tête, c'est différent, tu vois, en se disant, bon, ok, là, Raph, tu commences vraiment à tenir quelque chose parce que t'arrives à sauver quelque part, tu rentres des ficelles. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on va jouer un petit peu plus safe. Et qu'on va se concentrer un petit peu plus, les potes. Donc ce trou-là, il est clairement chouette, parce que, en fait, quand tu regardes les boules, t'as la boule blanche ici, la boule blanche là, donc si tu dois jouer, c'est en face. C'est presque le cas, et encore, c'est un petit peu plus à droite qu'il faut jouer. Et c'est surtout que si tu veux jouer le drive, et donc du coup jouer le green, tu t'alignes ici. Sauf que, évidemment, il faut faire le shot parfait, et que je serai à plus 6, plus 7, évidemment, que j'aurais mis drive. Je suis à plus 1. Donc on va se la jouer petit zizi. On va sortir le fer 7. Et on va jouer tout droit. Ce sera fer 6 quand même. Il fait 320 mètres. Histoire de se laisser un wedge en main. Ou en tout cas un fer 9 au pire. Et c'est mon trou préféré. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que l'attaque de green, elle est hyper mignonne. Vous verrez tout à l'heure. C'est mal touché. Elle est là-bas. Hein, mais... comment je peux toucher un fer 6 aussi mal? Elle est prise, je ne sais même pas si ça va se voir, non ça se verra pas, mais elle est prise dans la pointe, mon pote, laisse tomber. Ils ont coupé les pins, je suis dégoûté. On voit juste ici, là, malheureusement ça a été coupé. Ce qui est légitime parce que en fait, avant ils étaient tellement hauts que quand tu avais un wedge en main, fallait ouvrir la face de club, mettre plein swing et prier pour passer au-dessus. Puis ceux qui avaient des hauteurs, on va dire moyennes, qui n'arrivaient pas à mettre les balles très hautes, était vite embêté pour cette attaque de green. En attendant, j'ai déjà pris la mesure, 140 mètres, ce sera à faire 9.
Vol. Ah non, arrête-toi, arrête-toi. Ça pète. Mais c'est à droite. Qu'est-ce que je vais les foutre à droite aujourd'hui? Vraiment, ça me gave. Celle-là, ça me gave. Bon, j'ai un peu regretté au trou précédent de ne pas avoir mis le téléphone derrière le drapeau. Du coup, ce que je vais faire. Parce que sait-on jamais, imagine une deuxième ficelle. C'est bon, il est placé. Je suis prêt à mettre une seconde ficelle. Oh dommage, elle est bien pétée. Arrête-toi! Ok, c'est bon, elle est réellement bien pétée, mais j'y ai cru, je vous assure. Je l'ai pétée sur ma ligne, je me suis dit, je vais le refaire. Allez, ça ira, on a 1m30 pour le par. C'est pas hyper bien pété, hein. Ok. Trou 12 par 3, handicap 15, 159 mètres. Aujourd'hui, au drapeau, il y a 156. Problème, c'est que c'est vraiment tendu, quoi. Je peux faire 8, si je touche parfait, je peux faire 155. Je vais mettre faire 7, les obstacles sont devant. Je pense qu'il vaut mieux être long que court, donc tout petit faire 7. Tenu, et puis ça devrait le faire. Pas mal. C'est long, je crois. Je sais pas si ça pète ou si ça pète pas, mais il se remet à pleuvoir encore. Je vois évidemment pas ce qui s'est passé, mais ce qu'il est tombé là en 2 minutes, laisse tomber. C'est le cas de le dire. Bref, on est un peu long. Et on est encore une fois un peu à droite. Je sais pas pourquoi je l'ai foutu à droite aujourd'hui. Bref, on verra ce problème bien plus tard. On a 15 mètres de plus. Je vais la rentrer, donc à partir de là. Ah non, pas du tout. Allez, le petit mètre 50 pour faire son par, ça serait bien. Je te l'épède, mon pote. Heureusement qu'elle rentre, parce que si elle rentre pas, celle-ci, je me laisse 2 mètres pour boguer. Hein. Oh la vache. Allez, trou numéro 13 par 5, handicap 13 de 463 mètres. Voilà à quoi il ressemble. Faut jouer là-bas, en plein milieu, tout simplement. Le truc, c'est que c'est un léger dogleg gauche. Si tu fous dans les arbres ici, là, bah t'es pas bien. Si tu fous dans les arbres là, t'es pas bien non plus. Je sais que quand je suis en compétition, tu vois, je mets rarement le driver. Enfin, c'est pas vrai en fait. Je le mets une fois sur deux, le drive. C'est-à-dire que selon les conditions, s'il y a plein vent contre, je mets pas drive, ça sert à rien. Parce que je sais que j'aurai aucune chance de le prendre en deux. Quand j'ai vent avec, je mets drive. Et quand j'ai pas de vent, comme là, je ne sais pas. Le truc, c'est qu'on est à plus 1. Et que sur ce trou-là, si je mets super drive, j'ai moyen d'aller le chercher en deux et peut-être de faire un birdie facile, quoi. Et si je mets pas drive, j'assure un petit peu le par et je la joue un peu, j'allais dire, petit bras. Je mets driver. Je vais mettre driver, les potes. Je devance une éventuelle question, mais pourquoi je mets pas bois 3? Vous pourriez me dire, mets l'entre deux. Mais un bois 3, ça ne sert à rien. C'est réellement, ça ne sert à rien. Parce qu'au bois 3, je ne suis pas sûr de pouvoir le prendre en deux. Au driver, je ne le suis pas non plus. Mais si j'ai des probabilités de le prendre en deux, ce sera en mise en jeu avec le drive. Donc c'est soit driver pour être agressif, tu vois. Soit tu mets faire 4, tu fais faire 4, pitch, pitch. Donc j'exagère à dire pitch, pitch, mais tu fais faire 4, faire 8, pitch, quoi. Ce sera driver aujourd'hui. Allez, c'est la canne. C'est évidemment la canne. Je vais mettre un peu plus à gauche parce que je vais essayer de mettre un draw. Allez, raf. Baby draw. Faire ouais. C'est bien. T'es pas serein. On est sur le fairway. J'ai déjà pris les mesures avant de commencer à filmer. Il y a 215 mètres. Et le truc, c'est que 215 mètres, ça me fait pas peur. Je sais pas si ça va se voir à la caméra quand je vais faire ça. Bah, si ça s'est vu, il n'y a pas de vent. T'as soufflé contre il y a 30 secondes déjà. Bon, c'est pas grave. Allez. Je vais jouer, enfin, j'allais dire plus long. Bois 3 sur le fairway, je sais pas trop combien il fait. En tout cas, 215 mètres, je pense que c'est la canne, c'est le bois 3. Par contre, on y va. Hein. Sinon, ça sert à rien d'avoir mis driver en mise en jeu.
go, go. Elle est dans le talon. Go, go. Oh, elle est au sec. Ouh, les tétés. Je l'ai prise dans le talon. C'est pour ça qu'elle a failli de ouf. On vient de jouer avec le feu, les potes. On vient vraiment de jouer avec le feu. Ok, et bah on a eu chaud, hein, parce que on a flyé l'obstacle d'eau. On est au sec, genre de 3 mètres. Et on est court, bah, de 20 mètres, quoi. Bon, va falloir faire birdie, hein, parce que... Tous ces risques pris juste pour faire part, je vous cache pas que ça m'embêterait. Allez, 58, un peu de touch. Je vais faire birdie. Alléluia. Allez, on l'a fini en vitesse et c'est cool de faire un bon birdie comme ça. Là. Ah. Super. Tu vois, il y a des trous où tu mérites birdie et d'autres où tu le mérites pas. Exemple type. Trou numéro 4, je fais birdie. Bon, bah, j'ai un putt pour eagle, un long putt. Je fais quand même un bon bois 3 en mise en jeu, donc je peux pas dire je mérite birdie, mais bon, j'ai une chance sur deux de faire birdie réellement sur ce trou-là. Tu vois, trou numéro 10 par exemple, je fais birdie, mais driver que je veux mettre en fade, je la mets en draw, un peu dans la pointe, plutôt mal touché, je finis dans le rough, je mets un fair 8 qui est relativement bien touché, c'est pas le souci, hein. C'est pas non plus le shot parfait, hein. Puis derrière, j'ai 15 mètres de putt, je ficelle, quoi. Là, j'ai pris quand même pas mal de risques, je fais un bon driver, réellement, je fais une belle mise en jeu. Le bois 3, bah, je joue bois 3 pour ce genre de coup en fait, dans le sens où je sais que si je la touche parfaite, 215 mètres, je vais être certainement un petit peu long. Par contre, si je la touche pas parfait, il peut vite arriver des problèmes, tu vois. Dans le sens où, en réalité, c'était, je pense, un hybride 3, tu vois, j'ai mon hybride 3 là. Je la touche parfaite, c'est la canne, c'est sûr. Par contre, faut que je la touche parfaite, sinon je finis dans l'eau. Donc c'est pour ça, le bois 3, j'ai joué les stats. Tu la touches parfaite, tu seras long, t'auras un chip. Tu la touches moyen, tu peux être sur le green. Tu la touches pas bien, t'auras un chip. Et c'est ce qui s'est passé. Allez, le dernier par 5. Léger dogleg droit. S'il y a un obstacle, c'est à gauche. Ils considèrent ça comme obstacle d'eau, piqué rouge, mais en réalité, faut vraiment faire un gros snap-hook pour la mettre dans l'obstacle à gauche. À droite, il y a un autre fairway. Et au milieu des deux fairways, il y a un bunker. Au pire, je suis dans le bac, c'est pas grave. En fait, je mets driver, même si ce trou-là, je l'attaque jamais en deux. Parce qu'il est protégé par des bunkers et j'ai pas le courage de l'attaquer en deux. Moi, c'est assez rare. Mais je mets quand même driver, c'est juste pour gagner un max de distance. Me rapprocher au mieux, avoir par exemple un fer 8 ou un fer 7 pour se laisser un wedge en main en attaque de green. Voilà pourquoi je mets drive. Et c'est surtout parce que c'est un boulevard, le truc. Celle-ci, elle est plein milieu de face. Elle est vraiment plein milieu de face. Bon là, on va peut-être tenter d'y aller en fait. 197. Il y a les bacs devant, il y en a deux. Je veux juste pas être dans le premier. À la limite, je suis dans le deuxième. Donc celui qui est le plus proche du drapeau, ça me va parce que j'aurai une sortie de bac assez banale à faire. On tient notre record. C'est rigolo parce que je pensais pas à ça en fait. J'étais dans mon vlog et je pensais vraiment pas au score. Et on est à zéro là en fait. Je me décourage pas, depuis tout à l'heure, quand je décide d'être agressif, ça marche pour moi, donc... Hybride. J'ai eu une chatte, mais j'ai eu une chatte. Celle-ci a tapé pas l'arbre, elle était morte. Je suis sur le fairway. Je vais avoir un 58 degrés en main pour l'attaque de green. Elle a tapé une branche, elle est montée au ciel et elle est tombée sur le fairway. C'est rigolo parce que j'ai eu une discussion avec Flo Alès de la chaîne Peace and Golf. Coucou à toi si tu regardes cette vidéo, Flo. Pendant le Grand Prix de Plumeur où il participait en tant que pro, quand je dis je l'avais cadayé, plus ou moins, oui, je l'avais cadayé. Je l'avais aussi filmé pour qu'il fasse un petit vlog en Grand Prix pro. Je sais pas si cette vidéo sera sortie ou si elle sortira parce qu'il y a eu des conditions qui ont été dingues. Bref, c'est pas le sujet. Et en fait, autour d'une bière, on parlait en fait de l'état d'esprit qu'on est en train de vlogger versus quand on est en compétition. Et moi, je lui ai dit que j'avais vraiment la sensation, et même ça se voyait aux cartes, que je jouais mieux en vlog qu'en compétition. Et il m'a répondu la même chose, que c'était le même cas pour lui. Donc à mes amis vlogueurs qui regardent cette vidéo,
Je sais pas si c'est votre cas, j'aimerais bien le savoir. Et même ceux qui sont pas vlogueurs d'ailleurs. Comment vous faites pour bien scorer? Est-ce que vous avez un état d'esprit différent quand vous êtes en partie amicale ou en compétition? Est-ce que vous scorez mieux en partie amicale ou en compétition? Ça m'intéresse de le savoir en commentaire réellement. Je prends 30 secondes pour vous expliquer, mais le truc c'est que quand on va présenter un trou, comme là par exemple, je dis qu'il y a un obstacle à gauche, un obstacle d'eau qui n'est pas du tout en jeu. Et en fait, je passe très vite dessus, je dis qu'à droite c'est ouvert, bref, j'ai énormément de pensées positives. Alors que, et cet exemple est sympa à présenter, c'est rigolo de penser à ça maintenant sur ce trou-là, parce qu'au Grand Prix, cette année, où le premier jour j'ai joué 96, je crois, donc ma pire carte évidemment. C'est honteux, et il y aura à la fin de la saison, en fin d'année, une petite vidéo rétrospective où je vous parlerai un petit peu à cœur ouvert de mon ressenti de ma saison et le pourquoi du comment j'ai bien joué et j'ai très mal joué. Bref, et sur ce trou-là, au Grand Prix, alors j'avais fait birdie. Non, c'était le deuxième jour où j'avais quand même réellement mieux joué, mais j'avais fait birdie. En fait, l'obstacle qui est à gauche, je l'avais mis en jeu. C'est-à-dire que j'avais tapé des branches et j'étais resté dans le rough, mais j'étais resté en piste. Il n'y a que cet obstacle-là, tu vois. Sauf qu'en vlog, je le présente vite fait, et on passe à autre chose, on pense que aux pensées positives, c'est le cas de le dire. Alors que quand tu es en compétition, tu penses qu'aux obstacles, et c'est dommage. Donc je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Ou à la limite, tu parles, dans ta tête tu parles, comme si tu étais en vlog, comme si tu avais l'envie de bien scorer, de présenter les trous à tout le monde avec oui, ces obstacles, mais tu commences par ça et hop, tu passes. Et après, tu penses que positif, tu vois. Bref, c'était la petite parenthèse, une parenthèse que je trouve très intéressante, moi. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, si, un petit peu quand même, on a de la chance. Et on a 85 mètres. Donc 85 mètres, ça va être petit coup de 58. Ça. Le chat est très bon, elle est sortie un peu vive du club quoi. Bon, on est 10 mètres long. Je suis un peu dégoûté parce que je la voyais réellement bien en fait. Allez, je reprends mon pitch, je vais la faire rouler. Putain, il y a petit manque de lucidité là d'un coup parce que j'ai le chip tout en descente, c'est jamais au pitch qu'il faut que je la fasse mais bon. Let's go. Il y a peut-être un truc là, il y a réellement peut-être un truc, c'est peut-être la partie où je vais battre mon record sur ce parcours là parce que je rate pas grand chose et quand je rate je m'en sors toujours bien tu vois, donc bon. Ouh, allez, l'handicap 17, le trou numéro 15. On va attendre 2 secondes, il se remet à pleuvoir. En fait, il fait 143 mètres, je sais pas si je l'ai dit. Aujourd'hui au drapeau il y a 141. Je vais en droite-gauche, j'ai pas l'impression qu'il est avec, j'ai pas l'impression qu'il est contre, donc je vais mettre faire 9. Ok, il arrête de pleuvoir, il pleut 30 secondes, c'est un délire. Vol. Ah non, vole pas, je suis à hauteur. J'ai pris un divo très gras, tu vois. Donc j'ai eu la sensation du coup de faire mini gratte. Honnêtement, c'est soit je fais un contact balle-terre parfait avec un angle d'attaque assez négatif, soit il y a eu un petit peu de terre avant le balle-terre, tu vois. Mais bon, on putte. J'ai l'impression qu'on est à hauteur. Ouais, on est à hauteur. Mais on va se laisser encore 8 mètres de putt, je pense, si ce n'est plus. Bon, je suis clairement en réussite, hein, les potes, honnêtement, parce que vraiment, c'est. Je pense que je la gratte un petit peu, celle-ci, réellement, et je suis juste parfait à hauteur, quoi. C'est-à-dire que celle-ci, je la touchais parfaite. Bah, je pense que j'étais long. Waouh! C'est un sacré push. Putain, je suis pas donné pour boguer, hein. Aïe. Aïe. Allez, trou 16, handicap 3, 364 mètres. Il casse un peu les genoux, là, le boguer au trou précédent, parce que je
suis pas censé faire 3 putts à 6 mètres quoi. Enfin, surtout quand tu vois le premier putt que je fais, qui est catastrophe. Le truc, c'est que ça me fait revenir à plus 1. Il reste 3 trous à jouer et c'est pas des trous qui sont scorables du moins. Genre tu fais par, c'est très bien, tu vois. Il me faudrait un birdie dans le lot pour juste jouer 0. On y croit. Allez. Hybride en mise en jeu, hybride 3. Elle était au plafond. La météo, c'est un délire. C'est, je marchais, il arrêtait de pleuvoir, il pleuvait plus, je m'arrête, il se remet à pleuvoir. Vraiment un délire. Et il doit faire 26 ou 27 degrés. Hein. J'ai déjà pris les mesures, on est pile poil dans les 135 mètres. Le drapeau est à 141 mètres, j'allais dire 143, non, 141 de chez Moon. D'où je suis. Donc j'ai un fer 9. Ah non. Si, j'ai un fer 9 dans les mains. Parce qu'en fait, là, j'ai pris une rafale de vent contre. Donc. Non. J'ai mon fer 9 dans les mains, c'est ça. Kick. Allez, dans le bac. Allez, bord de green. La kick. Elle est tombée pile poil entre les deux bacs. Intéressant de voir si je suis aligné à droite ou pas, parce que je suis encore à droite, tu vois, donc bon. Elle est mignonne comme tout, cette attaque de green aussi. Obstacle dos à gauche, les bacs à droite, et ma balle. Je vais essayer de zoomer, on la voit là-bas. Je suis tombé sur cette butte là, qui l'a fait revenir à gauche. En bref, on est en réussite, hein. Il y a juste pas d'autres mots, quoi. Parce que genre, ma balle, elle reste ici, là. Laisse tomber le chip qu'il y a à faire. Hein. Allez, faut se dire que maintenant... À chaque fois qu'on est à moins de 10 mètres du drapeau, faut se dire que c'est une opportunité de birdie, faut saisir sa chance. Je la joue petit zizi là d'un coup. Je sens, je commence à jouer. Allez, 1 mètre pour le par. Allez, Raph, c'est bien. C'est bien. Allez, je vais boire un coup. Parce que je suis un peu stressé, pour de vrai. Pas stressé de faire un coup de merde, hein. C'est-à-dire que quand je... Parce que ça m'arrive d'être stressé, assez souvent d'ailleurs. J'arrive à jouer mes coups assez librement. C'est juste que quand je suis stressé, je vais la jouer souvent petit bras, tu vois. Je vais jouer le coup, mais je vais jouer petit bras. Je vais pas oser mettre le plein coup. Je vais mettre bois 3. J'ai dit combien il faisait le trou? 3,60. Pardon, c'est un par 4. Soit elle est dans le ref, ce que je pense réellement, soit elle est dans l'obstacle d'eau. Ce que je pense pas parce que j'ai pas mis driver pour pas mettre l'obstacle d'eau en jeu, donc on va voir. Aïe aïe aïe. Tu vois, à partir du moment où au départ du 17 t'as toujours la même balle qu'au départ du 1, je peux pas dire en général tu vas faire une bonne partie. Parce que ça peut arriver de pas en toucher une et pourtant de les laisser en piste. Mais la plupart du temps, voilà, y a pas de cata, tu vois. Et ce qui est assez rigolo en ce moment, c'est que je suis capable de jouer, mais vraiment, je vous assure, je suis capable de jouer 72 et je suis capable de jouer 82, quoi. J'avais fait une partie solo sur le 9 trou de Saint-Laurent, sur l'heure du midi, j'avais joué plus 5. Donc ça veut dire que si je dois jouer 18 trous, je joue plus 10, donc 82. Le lendemain matin, je joue avec des potes, je joue 0. 0. J'ai joué 72. Et la veille, j'avais joué plus 5 sur 9 trous, quoi. Y a pas de règle, et en tout cas moi je l'explique pas. Pour moi, je ne sais pas. Bref, on va aller voir et on va prier surtout. Alors oui, c'est très joli, mais oui, on n'est pas bien. 135 sont ici, on est rentré dans les 135. Le problème c'est que comme on la bloque à droite, oui on n'est pas dans l'obstacle d'eau, mais voilà où est le green. Tout au fond là-bas. Donc en bref, c'est soit on lay-up ici, soit on tente une trouée ici pour, tu vois, juste ici, là, pour se laisser un wedge. Sauf que faut mettre une balle basse en hook. Ouais, je sais pas la distance qu'il y a, doit y avoir un 120 mètres, 125 mètres. Et si je me mets ici, je me condamne à faire par ou bogey. Et le but, c'est pas d'égaliser son score, son meilleur score sur ce parcours-là. C'est soit de le battre, soit de pas le battre. Et pour le battre, c'est zéro, c'est pas égalisé, tu vois. Donc je vais le tenter. Ou alors, au lieu de la mettre basse, j'essaye de la mettre à mi-hauteur en maxi hook, quoi. Cliquez, j'arrive pas à prendre la décision. La première décision, c'est sûr, je vais la tenter.
tente de la mettre basse en hook avec un fer 8. Elle a trop tourné. J'ai trop fermé la face malheureusement. Du coup c'est soit on est entre le green et l'obstacle d'eau, soit on va devoir dropper. J'espère qu'elle est là vraiment. J'espère réellement qu'elle est là, sinon ça veut dire plus 2, ça veut dire qu'il faut que je fasse égal au 18, que je caisse mon attaque de green qui sera certainement à 120 mètres si je fais un bon drive, tu vois. Bref, allez, quelque chose en son temps, pourvu qu'elle soit là. Excusez-moi l'expression, mais il y a un moment, faut dire ce qu'il est. On a le cul bordé de nouilles, parce que je sais pas si vous arrivez à la voir, là, je viens de zoomer. Je suis à 2 mètres de l'obstacle d'eau, quoi. Et du coup, il y a encore moyen de sauver le par. 38 mètres. 58 dans les mains. Ball. Ce que je disais au départ, que je joue petit bras quand je commence à être stressé, et c'est le cas. Oh la vache, d'accord. Bon, j'ai raté au mauvais endroit. Hein. Je vais ouvrir un peu la face. Bon là, par contre, faut qu'elle rentre. Hein. Si je veux espérer battre mon record, faut qu'elle rentre et faut que je fasse égal sur le 18. Et le truc, c'est que je peux pas aligner ma balle parce que je suis pas sur le green en fait. Je suis à la limite, mais je suis pas dessus. Allez, le trou numéro 18, un par 4 initialement de 372 mètres. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas que les trois derniers trous sont difficiles à scorer. Là, en l'occurrence, on est en départ avancé. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis allé voir le départ des blancs. Il est très propre. Bref, aujourd'hui, du coup, j'ai pu prendre la mesure au drapeau. Il y a 331 mètres. Donc on s'en sort bien quand même. Hein. On gagne 40 mètres, c'est juste énormissime. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va lâcher les chevaux. Parce qu'il faut faire eagle, donc ça veut dire qu'il faut caisse l'attaque de green. Donc je vais y mettre. Au pire, je suis hors limite, au pire, je suis à gauche, au pire, je suis à droite. C'est pas grave, j'y mets. Je vais mettre dedans. Encore. Allez. Provisoire. Merde. Je vais mettre une Callaway Zone en provisoire. On va essayer d'en mettre une en piste. On va arrêter de vouloir taper fort. Tidlest 1 jaune en double provisoire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la première. La deuxième, elle est morte, c'est sûr. La première, on va essayer de trouver. Et c'est surtout qu'on va mesurer la troisième. Parce qu'elle est longue, alors que pourtant, j'ai tapé pour mettre en piste, tu vois. J'ai pas fait le con comme les deux premières. Donc j'ai la sensation, là, d'un coup, que ça servait à rien de taper comme un con. Eh bien, figurez-vous que c'est la première. Je vous jure, c'est la première. Je vais aller ramasser ces arbres-là au calme. Je ne l'ai pas vu tomber pourtant, mais elle est là. Donc, ça signifie que je peux encore caisse. Et je peux encore jouer 0. Bah non, j'ai fait double bogey. Je suis à plus 3. Bah non, je peux juste jouer plus 1 en caisse. Et encore, il faut que je la caisse en direct. Là. Il y a 95 mètres. Je vais mettre petit 54 degrés. Je crois qu'elle est bunker, je crois qu'elle est courte. Je la gratte un tout petit peu du moins. C'est pas que je la gratte, c'est que j'arrive très vertical et j'ai la face qui bloque dans le rough. La provisoire est ici. Enfin la provisoire, la troisième provisoire. 66 mètres, donc ça signifie 2,60 le drive.
Donc ouais, ça sert à rien de taper fort pour gagner 10 mètres, hein, vraiment. Encore pour gagner 10 mètres. C'est-à-dire qu'on les a même pas gagnés tellement c'est trop risqué à vouloir taper fort et en foutre n'importe. Bref, on va aller faire une sortie de bac. Un peu de réussite parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai pitché dans la lèvre et elle est pas pluguée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle étant donné que Je pense que c'est la pluie qui a rendu un petit peu le bunker gras et du coup elle a pas plugué, c'est une bonne nouvelle. Allez, ça va. Oh, elle bouge pas, je l'aligne là, quoi. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On finit sur un score de plus 4. On craque un peu à la fin, malheureusement. Ça fait partie du jeu. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo tout de même. J'ai pris un malin plaisir à jouer ce parcours parce que c'est mon parcours préféré et je pense que ça le restera. Ça faisait un petit moment, un objectif scratch. La prochaine fois, le prochain objectif scratch, je vous promets que ce sera un parcours que vous ne connaissez pas. En attendant, n'hésitez pas à aller de suite sur Instagram si vous voulez participer au jeu concours que j'organise grâce à Golf Care. Je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.